Il faut savoir juger les gens par les résultats. Il ne faut pas partir avec des préjugés. On ne connaît pas la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Il faut que nous voyons quelles sont les lignes qu'elle va tracer. Est-ce qu'on va pactiser encore avec les dictatures? Est-ce que nous serons toujours dans une sorte de francophonie un peu rétrograde? La définition de la francophonie d'aujourd'hui doit prendre en compte les aspirations des peuples africains à la démocratie. La question de la démocratie est essentielle et que peut-être l'arrivée du Rwanda à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie est un test. Est-ce que nous allons oublier les fêlures du passé ou bien chercher des moyens à ne plus les aggraver? La francophonie telle qu'elle est, si elle se poursuit telle qu'elle a été, alors nous aurons perdu notre temps à faire des grandes conférences.